Hey, salut à tous amis, c'est Lecarl, on se retrouve sur Minecraft pour le 21e épisode de la EK Adventure. On va éviter de refaire un épisode d'une heure comme le 20e, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est le 20e, c'est pas... fuck off. Quand j'ai vu que c'était le 20e, je me suis dit, bon allez, je le monte pas, je fais un gros épisode, c'est pas grave. Donc, on reprend là où on en était la dernière fois. J'en sais chrono parce que là, pour le coup, je vais pas faire un épisode aussi long, je vais pas déconner non plus. La dernière fois, alors oui, plein de trucs. Plein de trucs, déjà, non, merci, métal de fichier, hein. Mon fichier faisait 70 gigas, alors non, juste non, voilà, du coup, alors j'ai bien avancé, j'ai avancé un peu off, j'ai fait la roue, la fameuse roue qui est là, oh putain, j'étais en train de maintenir le shift mais comme un vieil autiste. Genre j'avance comme ça, je me dis bon tout va bien et pouf. D'accord, donc quand tu maintiens le shift et que tu sautes un escalier, tu peux te tuer. Ok, on va rester loin de l'escalier. Donc voilà, je peux plus me tuer là. Impossible. Donc j'ai fait la roue. J'ai fait la roue. J'aime faire la roue. J'ai fait la roue et j'ai fait toute une rivière qui descend là-haut de la montagne, qui passe dans un petit canal, tout ça, et qui arrive ici. J'ai beaucoup pelleté pour dégager un petit peu la zone. Pour rendre la crevasse un peu plus grosse, d'ailleurs on va foutre 3 coups de pioche en plus. Ça va mal. Oh le PC, stop freeze. PC qui freeze pour rien, très bien. Et là j'ai mis un petit pont. Alors pourquoi un petit pont? Parce qu'en fait j'ai remarqué, je me suis dit, ce serait trop marrant qu'en vrai, il y a une source là-haut, et que ça coule jusque là, que ça arrive ici, que ça fasse un lit de rivière. Ça ressemblait à un lit de rivière en fait, si. Je me suis dit, ce serait trop marrant qu'il y ait eu un séisme, que la crevasse soit ouverte, et du coup toute l'eau tombe dedans. En mode ça tombe dedans quoi. Je me suis dit ça serait pas mal comme mini scénar, ça expliquerait un peu le truc, tout ça. Et après j'étais pas dans la caverne. Et je me suis dit tiens c'est marrant, ça coule ça. Et là, bonjour, une caverne. Alors quand je suis arrivé c'était tout noir, hein. Évidemment j'ai mis les torches en haut. C'était tout noir. La caverne était immense et il y avait des champax partout. Champax, max de champax. Donc j'ai une armée de champignons qui m'attendent ici, hein, tout simplement. Là il y avait une petite route que j'ai creusé vite fait, que j'ai été dedans. Il y a un peu de fer roux d'ailleurs, on pourrait récupérer le fer. Ce sera fait, comme ça j'aurais pas besoin d'y retourner parfois. Voilà. Pout, parfait. Voilà, donc là il y avait ça, et il y avait ce bruit d'eau aussi, que vous pouvez entendre. Voilà, ce bruit d'eau que vous pouvez entendre, que j'ai été investigué, on va dire, je peux se dire. Investir, investigate, c'est quoi en français, c'est investir, enquêter. J'ai été enquêté, mais que j'ai été enquêté, ça veut pas dire grand chose. Et donc en fait c'est juste une putain de source ici. Et du coup bah, j'ai mis 2-3 lanternes, j'ai fait un truc à peu près propre. Et il y a juste voilà, y a juste cette source qui est là, qui coule, qui est merveilleuse, qui est incroyable. Du coup le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un truc à la verticale, je l'ai trouvé. Alors j'ai creusé une entrée. Voilà, j'ai creusé une entrée pour faire genre entrée naturelle. Et j'ai essayé de faire un truc à peu près joli. Voilà, sur ce, bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. On va continuer la place vite, parce que j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Parce que, après avoir fait ça, donc après avoir passé la petite caverne, tout ça, je suis retourné dans la crevasse et je me suis dit, bon, va falloir commencer à la préparer pour mettre les plateformes, ce qu'on va faire dans cet épisode. Et du coup, j'ai fait l'escalier. Alors, j'ai également placé la plateforme là-bas en bas, regardez, je vais vous montrer. J'ai fait l'escalier, donc l'escalier descend ici. C'est pour ça que j'attends d'ailleurs que la pierre cuise. Ensuite, il y a ça qui descend là. Ici, il y a une première plateforme. Donc, la plateforme ici permet de... d'aller de l'autre côté, en fait. Voilà, on peut aller de l'autre côté en sautant. Voilà, si je suis pas trop mongol, j'y arrive. Voilà, alors, si je me serais raté, je me serais tué. Hein, mais c'est pas grave. Je me serais tué. Hein, ça, oui, c'est français. Mais bref, ça va me servir de plateforme. On va essayer de faire un truc pour que je me tue pas à chaque fois. Mais en gros, voilà. Ici, il y aura une espèce de plateforme en bois, évidemment. Là. L'escalier continue, ici il y aura un truc un peu mieux aménagé parce que c'est un peu dégueulasse. Ici il me refaut de la pierre. Là on va continuer un chemin en pierre qui ira là comme ça. Tac 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 tac. L'escalier continue ici. Ici il y aura une plateforme. Et ensuite on arrive au fond de la crevasse. Et là il faudra que je canalise un peu l'eau, que je fasse des petits trucs. Je vais essayer de faire des couloirs d'eau. Vous voyez les... comment on appelle ça? Les trucs de mineurs. Les... enfin... pas les gamines, mais... vous voyez les trucs de mineurs, bah, pour...
Ah merde, pour filtrer l'eau, voilà, pour filtrer l'eau, les filtres à eau, les filtres à eau, ça veut rien dire, mais les filtres de mineurs, voilà, je voudrais faire ça, les espèces de tubes d'eau dans lesquels on met des... On fait... Putain, c'est stuck à 60 alors normalement je devrais être à 120 là. Ah voilà, c'est bon, ça a monté. Mais oui, il me faudrait un de ces filtres, enfin essayer de faire un filtre d'eau là qui coule sur le côté, avec dans lequel on peut passer des seaux, pépites, tout ça pour les nettoyer. Et puis voilà, puis une fois qu'on aura fait ça, ce sera pas mal. Déjà là faire les plateformes, alors du coup je vais aller chercher ma roche. Non mais sérieux la pluie hein. Ah j'ai décidé de dire non à la pluie, hein. Quand j'ai vu la taille du fichier, je fais ok très bien. Ouais, viens de faire foutre la pluie, tu n'existeras plus. Et toi là-bas. Ok. Il est provoqué là. Non? Hé, chien! Ah oui merde, c'est vrai qu'il bouffe. Il bouffe! Voilà, il fallait que je m'enterre parce que sinon j'allais mourir. J'allais mourir, là s'il arrivait je mourrais. Du coup c'était P où ce con? Là-haut. Plus haut. Non, il est pas là. Pas parti. Je vois plus les particules de Void. Je vois plus bien le néant là. Bonjour, vous avez pas vu un Slenderman? Alors je vois plus aucune particule de Void. Oh bonjour. Il a dû se foutre derrière un... Ouais, il a dû aller dans une caverne. Bon, je le trouve pas comme ça, il a dû aller dans une caverne. Bon bref, le but étant qu'il faut qu'on aménage tout ça. Qu'on aménage tout ça pour en faire une vraie caverne viable, un vrai truc qui a de la gueule en fait. Aïe. Donc pour ce faire, on va aller chercher les cailloux. Oui, gueule. Il est bien vénère, mais il est pas... Il est loin. Ah ben non, il est dans le trou, suis-je con? Alors ça, par contre, ça, c'est pas malin du tout, ça. Mais il est plus bas? Non. Là. Meurs! Il a été stéré dans un trou! Mais attends. C'est bien beau tout ça, Okojo, mais tu comptes remonter comment en fait? Je crois que j'ai merdé là. Ah oui, d'accord. C'est vrai, excuse-moi. Voilà, donc ça va être la grande remontée. Hein. On va peut-être... couper le lavande d'eau. Hein, on va peut-être faire ça.
un peu couper les vannes. Genre on va peut-être un peu faire tac tac et tac, vous voyez, et tac, parce que ça casse les couilles. Voilà, voilà, là c'est mieux. Voilà, plouf 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 plouf, on se casse. Bref, on devait prendre nos cailloux, nous. Tout ça c'est bien, mais hein, à un moment faire les choses. On va mettre ça, on va mettre un petit peu de torche aussi le long de la montée, hein. Faut pas que ce soit pris au dépourvu. Voilà, hop, hop. Quel un petit mille pas de je remonte. Qui ou comment? Vas-y, viens. J'attends. Parfait. Ils font ce qu'ils veulent. À la place de ça, ce sera très bien. Et ça, je vais laisser là pour l'instant. Quoique, je pose un nouveau père. Attends, je prenne ça. Nous en étions donc à le passage. Alors oui, alors là, il faut que je fasse quelque chose. Déjà, hein, faisons ça. Un endroit safe. Ensuite, il me faut une table de craft. Il va y arriver, il va y arriver, je vous assure, il va y arriver au bout d'un moment. Voilà. Merci. Et une table de craft pour refaire des barrières. Hop, hop. Voilà, barrière. Nouvelle barrière. Je vais peut-être jeter... Oh, l'underpearl, non, ça me fait chier, je vais la garder. Ça, je peux jeter. Quoique. Bof, il y a plein de trucs que je peux pas jeter, là, en fait. En fait, faudrait que j'aille vider mes stocks. Mais bon. Faudrait que j'aille vider mes stocks. Voilà. Il me faut oak fence. Du oak, comme on dit. On va se mettre. On va la mettre comme ça, la oak fence d'ailleurs. Voilà. On va faire ça. Parfait. Donc là, on a un premier balcon. Ah, plus de flèches, parfait. Éjection! Ah bah! Ça, je vais dire, ça respire pas. Éjection! Viens, viens, petit. Donc là, on va faire une plateforme. Éjection! Musoi! Alors ça c'était le coup fatal. Je l'ai ouvert en deux. J'ai plus de bouffe. Rolling, manging. Nom 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 nom. Il me faut. La fameuse pierre. Il faut que je mette là-dedans. Voilà, pour faire un escalier potable. Ensuite, là, il me faut... ça. Je vais déjà aller canaliser ce truc parce que ça me casse les couilles. Voilà. De la terre, merci. De la terre, merci. On va canaliser ici pour l'instant. Voilà. On larguera les flots éternels après. Pas tout de suite. Tac, tac. Voilà, ça fera un bon balcon si je fais ça. Ou quoi que non. Tac. Mieux.
Voilà. Là, on prend toutes nos planches et on pose des planches. Alors, je sais pas, je fais ça ou pas? Ça a toujours l'air cool, ça. J'aime bien ça. Alors, de toute façon, en dessous, il y aura une mare. C'est une. Efficiency, 17, 17 trucs. Autant prendre l'unbreaking. Vive l'eau qui ne coule pas! Et maintenant, ah, il va me faire des seaux d'eau. Alors je descends plein de seaux d'eau. Je veux de l'eau! Donnez-moi de l'eau! Là-bas, il n'y a pas... Ouais, non, il n'y a pas d'eau. En plus, il n'y a pas de source. Faudrait que je mette une source infinie. Faudrait que j'arrive à faire une source infinie. J'ai pas remarqué qu'il y avait du minerai en dessous. Bon, c'est pas grave, je dégagerai le minerai après. Donc ici, ouais, il y a ça. Pour l'instant, c'est bien. Par contre, en dessous, ça manque un peu de gueule. Donc on va... Non. C'est pas mal. Tac, et puis là il n'y en aura pas. Là il n'y aura qu'une planche simple. Planche, 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 planche. Et planche. Voilà. Parfait. Ça commence à avoir un peu de gueule. Tac, on va remonter là-haut. Il nous faut des barrières. On va mettre de la barrière sur tout le long. Ah oui, là non, c'est pas possible ça. Ça, monsieur l'agent, ce n'est pas possible. Le truc, je veux bien, mais ça non. Pas de trou dans mon escalier. Voilà. Là, ça a de la gueule. Ça fait un vrai escalier comme ça. Quand tu descends, t'arrives ici. Normal. Tu te poses et tout va bien. Et voilà. Alors maintenant ici il faut faire des coffres. Et on va mettre des fours. On va mettre des fours. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux pas récupérer ça? Voilà, autant récupérer parce que fuck off. Ça va être plus intéressant ça. Donc, il m'en faut. Eh mais les chauves-souris, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je veux bien qu'il y en ait masse, mais faut arrêter un moment. Faut arrêter votre bruit. C'est genre chiant. Enfin, chiant. Non. À vrai dire, ça va. Mais bon. Il me faut... Alors là, on va faire... four... des fours encastrés, un coffre et un... Le truc. Je vois ce que je me comprends. Ici on va juste creuser, on fera un puits là-dedans. On va faire un puits là-dedans. Ah oui, il y a ça à améliorer. Oui mais il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour améliorer ça? Sans que ça fasse dégueulasse.
sais pas comment faire là. Là j'hésite. Est-ce que je fais un truc sur le côté ou... Est-ce que je déplace l'escalier? Je sais pas. Je sais pas à voir. Ou est-ce que je ferais pas un système d'échelle et qu'ici je mettrais pas genre une... Enfin, pas une autre cascade, il faudrait que je mette quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une mine? Une arrivée de minecart, ouais, un tunnel. Alors je creuse l'escalier ici, tout simplement. On va faire ça. On va déplacer l'escalier, puis c'est bien. Hop, hop, hop. Tulu 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 tac, dégage. Et là on fait tac 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 et voilà. Et là on est bien. Du coup je peux couper tout ça et remplacer tout ça par de la pierre. Voilà. On va remettre de la pierre et puis c'est tout. Okay. En faisant ça. Oui, si tu veux. Si tu veux, Minecraft. T'as le nombre de chauves-souris qu'il y a, c'est assez hallucinant. Et voilà. Ah, suffit de faire. Non. Enfin si. Enfin. Hop. Voilà, ils sont 12. Et je peux pas les étaler, alors bougez pas, j'arrive. Bougez pas, j'arrive, bougez pas, j'arrive. Elle est où, là-bas? Mais attends. Viens les... Je reviens à les planches. La galère pour réussir à faire un truc. Alors je disais donc, tac, 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 tarac. Merci. Merci, merci. Mes planches, je prends tout. Je reviens. J'ai failli tomber, j'ai eu super peur. C'est pas grave, ça va se faire. Hop. Hop, de l'autre côté, on fera pareil. D'un côté, ça fait tac et hop. Voilà. On va y arriver, hein. Je suis un peu en mode concentration, mais c'est vrai qu'en plus le chrono a sonné, donc je suis débile, je dois arrêter normalement. Ah, ça va encore faire un épisode de 8 putains d'années. Là, il faut que j'en refasse un tac-tac. Il faut pas que je tombe non plus. Hop. Hop. J'arrive. Mesdames. C'est du sport. Cours, cours, cours. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et là on va faire tac tac, ouais, ça sera très bien. Parfait. Et là donc du coup on peut faire. Est-ce que je mets une plateforme ou pas? Je fais une plateforme complète ou pas? Ah c'est la bonne question ça. Est-ce que je préfère pas une plateforme complète? Juste en dessous de l'autre, non ça va faire trop bizarre si j'en fais une juste en dessous de l'autre. Je sais pas. Et je vois comment je peux faire.
Je vois comment je peux faire. Ça fait très bas en fait par rapport à l'autre, donc. Alors j'aurais fait là-bas, ça aurait été quoi. Il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est pas que ça fait très bas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Si je fais ça, on croirait trop que c'est le même truc. Ouais, on croirait trop que c'est le même truc. Ça donne plus d'intérêt à la grue. Que je garde cette espèce de petit saut que je dois faire à chaque fois. Voilà, là c'est pas mal. Et puis voilà, puis ce sera bien. De toute façon, ce sera bien pour cet épisode. On va faire des plateformes, au final on n'a pas fait grand chose. Mais voilà, enfin, en tout cas vous voyez du coup où est-ce que je vais en venir. Moi je vais peut-être continuer un peu en off, je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais faire des épisodes plus... En mode voilà ce que je vais faire et je le fais et je vous montre enfin après qu'est-ce que ça donne quoi. Comme ça vous voyez bien les projets. De toute façon voilà vous voyez bien il y a la roue elle est faite complètement. D'ailleurs il faut que j'en fasse quelque chose. Yes. Voilà. Là faudrait que je fasse un accès jusqu'ici. Plus c'est relié à une plateforme. Est-ce que je peux faire ce saut là? Il est mortel hein, si je le rate. D'accord et c'est un saut de 3. Faut pas que je le rate. Oh, je l'ai raté! Oh, je suis pas mort! I will survive! Mon dieu! J'ai fait une chute de 15 mètres. Mais tout va bien. Tout va pour le mieux. Bon, bah, c'est parfait. Bah, sur ce, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Avant que je fasse ma prochaine connerie, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours très très plaisir. À vous abonner, c'est super sympa. À nous suivre sur Twitter, lien sur la description, comme d'habitude. À partager la vidéo et le playthrough, c'est très important. Je garde mon épée à la main parce que, bien évidemment, c'est le moment où il s'en profite pour arriver à 95. Non, c'est bon. Voilà. Et bien évidemment, commentez. Dites-moi que je suis une grosse merde si vous voulez. Moi, ça me fera toujours bien marrer. Voilà, sur ce, bah écoutez, salut à tous et à la prochaine. Allez hop.